J'ai envie de te parler du mot respect aujourd'hui. Le respect des autres, le respect de soi. Puis quand on parle de respect des autres, c'est autant la personne que les choses qui appartiennent à quelqu'un et qui ne t'appartiennent pas. J'ai la chance d'avoir des parents extraordinaires, OK? Que quand je leur ai parlé que ma pancarte avait été un petit peu, si on veut, dessinée, ils ont tout fait pour essayer d'enlever les mots que la personne avait laissés sur la pancarte. Puis pourquoi je le sais? Parce que il y a des pas et ma pancarte est juste ici. En fait, sur ma pancarte, il y avait des gens qui avaient pris la peine d'écrire face de cul. Puis de l'autre côté, d'autres mots. Dans la vie, tu vas juste te dire, c'est pas grave, c'est juste une pancarte. Il y a pire que ça. Ça, là-dessus, je te l'accorde. Sauf que c'est juste, là, c'est juste pas à toi. C'est juste que je suis un entrepreneur. J'ai payé une séance photo. J'ai payé une photographe pour photoshopper, prendre le temps de retoucher les photos. J'ai juste payé une impression de pancarte. J'ai juste, en tant qu'entrepreneur, on a beaucoup de dépenses et ça fait plus qu'un an, puis amen, la vie est belle pour moi et je suis très sincèrement merci à tous les jours, là. Mais c'est juste pas à toi. Respecte les choses des autres. Moi, en tout temps, je respecte mes clients, les gens que je rencontre dans la vie. Peu importe qui je vois, je respecte les autres. Moi, je vais pas chez toi écrire sur ta maison. Je vais pas écrire sur tes fenêtres. Je vais pas écrire sur ta voiture. Je vais même pas écrire sur ton papier s'il ne m'appartient pas, si je t'ai pas demandé la permission. Alors, le respect, s'il vous plaît, ça coûte pas juste 2 $ faire des pancartes. Et t'es pas obligé d'écrire que j'ai une face de cul si ma face ne te convient pas non plus. Je suis un humain et jamais je traiterai les gens comme ça. Alors, respect, c'est tout ce que j'ai envie de vous dire. 2023 et le futur, respectez, respectez-vous et respectez les autres. Sur ce, je suis Marie-Ève Godbout, courtier immobilier, résidentiel et commercial. Et ça va me faire plaisir avec ma magnifique face et mon beau sourire de t'accompagner pour la vente ou l'achat d'une propriété.